Nous sommes rue Rodier où le restaurant La Condessa vient de déménager, passant du numéro 17 au numéro 13. C'est surtout l'occasion de découvrir un jeune chef, de redécouvrir peut-être, pour certains, un jeune chef qui a un talent fou. On y va. Bonjour chef, bonjour. C'est comme à la maison, faut sonner. Absolument, bienvenue. Merci. Rappelons que la Condessa, c'est un quartier d'où tu es né. À Mexico, c'est un quartier où j'ai grandi, où j'ai également commencé à cuisiner à l'âge de 12 ans. Et j'ai fait ça après l'école, les week-ends. Et c'est là où j'ai découvert ma passion et mes vocations pour la cuisine. Alors, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Donc, on propose à la Condessa des menus dégustation en 6 et 8 plats. Ouais. Donc, c'est un peu comme si on arrivait à la maison de quelqu'un. Ouais. Donc, on sonne. On les accueille et on propose et on fait ce qu'on sait faire de mieux. On va faire un plat autour de la lotte. Donc nous, on l'a fait mariner un petit peu au sel, classique. Et ensuite, dans les kombu, la technique est un petit peu japonaise, les kombu jime, on va l'accompagner avec des fleurs. Et on a travaillé donc un ragoût de fleurs d'hibiscus. On va la faire raidir, on veut pas trop donner des colorations. Le poisson, il a différentes surfaces, donc il faut aller progressivement. Un petit verre mousseux. On va la retourner encore. Ensuite, on va commencer à faire le beurre monté. D'accord. Qu'on va aromatiser la fleur d'oranger. Donc là. Donc là, on a la cuisson nacrée pour les poissons qui est très importante. La sauce. On vient ensuite agrémenter avec quelques petites fleurs. Tu aimes les assiettes colorées, hein? Oui, les fleurs sont tellement parfumées, ça apporte à la fois une texture, à la fois une couleur. Déguster maintenant. On se sent tellement chez soi qu'on a son petit tiroir avec ses couverts. En plus, les couverts sont très beaux. Elle est belle cette assiette. Hein. C'est très pur, c'est très direct. C'est à la fois très aromatique. Il y a le beurre là, qui est le support idéal pour toutes ces saveurs. C'est très juste, très équilibré, à la fois sur l'acidité, sur l'amertume. Remarquable. Si vous voulez voyager à la table, ça s'appelle la Condessa. C'est 7 rue Rodier dans le 9e arrondissement. À la semaine prochaine.